Bonjour à tous, bienvenue sur Slowly TV. Là, je vous fais la partie 2 de ma première vidéo. Donc, dans la première partie, je vous ai présenté donc un lait crème hydratant pour la peau. Donc, vous voyez comment ma peau est bien hydratée, nourrie, juste ce qu'il faut, éclatante. Donc, je vous propose de regarder la première partie de cette vidéo. Et là, maintenant, on va passer à un soin pour les sourcils. Donc, il s'agit du sérum épaississant Invati Bro de Aveda, de la marque Aveda. Donc il s'agit d'un sérum à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est vegan, il permet de rendre les sourcils plus épais, plus fournis, plus denses sous 4 semaines, et vous aurez des résultats optimaux au bout de 12 semaines, donc au bout de 3 mois. Donc ce sérum hydrate. Donc il permet de redonner une belle apparence aux sourcils, il épaissit, il comble les espaces clairsemés, il permet d'avoir une finition soignée, une tenue souple des sourcils. Il est à base de résine de mélèze, donc il permet d'hydrater, de glycérine et de caféine, donc qui vont hydrater la peau sous le sourcil. Et c'est un sérum à absorption rapide. Donc on va le tester de suite. Donc déjà, le produit se présente comme ceci. Voilà, une jolie couleur violette. Ensuite, voilà un petit embout comme un mascara, mais en beaucoup plus petit. Alors attendez, je pense que vous verrez mieux comme ça. Et voilà, c'est parti, on va le tester de suite. Là, on voit de suite que le sourcil est hydraté. Je pense que ça se voit. Et ça donne une belle forme également. Alors, ça ne remplace pas le crayon. Hein. C'est pas un crayon à sourcil. C'est pas non plus un gel qui permet de maintenir le sourcil en place. C'est vraiment un soin, c'est un sérum. Voilà, donc on suit juste le tracé de notre sourcil pour que les effets correspondent à l'endroit où on a tracé. Donc il faudra que je l'utilise pendant 4 semaines pour avoir les premiers résultats, et 3 mois pour avoir les résultats finaux. Donc 4 semaines, c'est fin octobre, et 3 mois, ça sera pour décembre du coup. Donc d'ici décembre, on verra si ça a fonctionné ou pas. Donc en tout cas, la brosse, elle est pratique, elle est toute petite, donc elle permet d'aller pile où on veut. Le gel est très agréable et vous voyez, il coule pas. Hein. Donc, il reste vraiment là où vous le mettez. Donc, il déborde pas en dessous. Le contact est un peu froid, mais c'est agréable. Là, vous voyez l'hydratation du sourcil, donc j'hésite à en repasser encore. Hop. Donc, je vais le faire tous les jours, donc pendant 4 semaines pardon, pour les premiers résultats, et 3 mois pour les résultats optimaux. Alors donc, c'est fini. Donc là, vous voyez, ça sèche très vite. Donc vous pouvez le faire avant de partir au boulot le matin, ou partir faire ce que vous voulez. Donc ça se présente comme un mascara, hein, c'est-à-dire un petit tube vraiment petit, hein, par rapport à ma main. Regardez, c'est vraiment tout petit petit. Donc si vous oubliez de le mettre chez vous, vous pouvez le faire ailleurs. Ensuite, comme je vous dis, donc vous avez, comme dans un mascara, un embout brosse
avec une brosse vraiment rikiki. Voilà, donc un petit picot souple et le produit donc vous appliquez, ça sèche de suite. Regardez, là on voit même plus que j'ai passé quelque chose, c'est hyper rapide. Et comme c'est pas de l'eau du robinet, ça va pas laisser des traces blanches puisqu'il n'y a pas de calcaire. C'est très agréable. Donc je vous répète, c'est l'Invati Bro, donc sérum épaississant d'Aveda, un sérum 100% vegan, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc le but c'est d'épaissir, de rendre les sourcils plus fournis, plus denses, parce que ben, vous voyez, à force d'épiler, épiler, ben, on finit par avoir des petits trous ben, qu'on comble avec le crayon à sourcils. Vous voyez là par exemple, cette zone-là, c'est un peu moins fourni. Donc voilà, donc le but n'est pas de ressembler à Chewbacca et de devoir épiler 10 fois plus. Hein. Vous voyez, j'ai bien suivi ma ligne de sourcils. J'ai pas fait en dessous, j'ai pas fait au milieu, j'ai pas fait au-dessus. J'ai vraiment suivi mon tracé normal. Et donc, le but, ça sera que les sourcils reprennent un peu plus de volume, qu'ils soient plus fournis, plus denses, et du coup que j'ai moins ça retravailler au crayon ou au gel à sourcils. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Slory TV. Je vous continue donc cette vidéo avec une troisième partie cette fois-ci. Ça sera les lèvres. À bientôt.